Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas à choisir avec qui j'aimerais ou pas jouer. Non, non, le profil, voilà, ici, je pense qu'il y a que des très bons joueurs. Donc, Khaled, j'ai déjà dit que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Et Adlen, c'est pareil. Et quand il y avait Hassan Yebda, bah, c'était pareil. C'est tous des très bons joueurs. Donc, c'est vrai que les profils sont différents, mais on essaye à chaque fois de s'adapter. Bah, le coach a fait déjà le dernier rassemblement qui m'avait dit de prendre, ou essayer de prendre plus de responsabilités dans le groupe. Donc, je pense que je vais essayer petit à petit d'amener un plus dans le groupe dans ce sens-là. Après, d'être capitaine, c'était une fierté aujourd'hui. Après, je pense qu'il manquait du monde aussi. Mais moi, c'était une fierté de jouer ce match capitaine. En plus, un bon match, on a gagné. Donc voilà, c'est bien. Non, pas forcément. Hein. Une fois que je suis sur le terrain, après, match normal, j'essaye d'encourager tout le monde, de replacer, de jouer mon match. Après, il y a peut-être un rôle plus à m'investir en dehors du terrain, plus avec le groupe. Mais sur le terrain, j'essaierai de faire toujours le même travail. Oui, Walid. Oui, Hassan, on voudrait juste savoir vos impressions sur le volet physique. Comment vous sentez après ce match? Et est-ce que vous êtes prêt pour le camp du prochain match face au Rwanda? Ouais, là, je suis un peu fatigué. La semaine, franchement, elle a été dure. On a bien bossé. Et voilà, là, c'était un match de 90 minutes. Donc, c'est bien, ça permet d'être prêt pour la semaine prochaine. On va continuer à bosser. On sait tous que maintenant, c'est 3 semaines qui sont très importantes et qu'il faut déjà se concentrer pour le prochain match. C'est bon. Merci, coach. Merci, Mehdi. Il y a encore un monsieur. Allez, dernière question. Oui, dernière question. Ouais. Au joueur, oui. Moi, c'est la 4e victoire de l'équipe nationale de suite. Est-ce que vous avez cette nouvelle page plus prolifique qui s'ouvre pour Une nouvelle page, je ne sais pas. Je pense que, honnêtement, on a toujours eu une bonne équipe, des très bons joueurs. Mais voilà, je pense qu'on a pris conscience de ce qu'on peut faire. Que maintenant, avec l'équipe qu'on a, on peut se qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Que le chemin va être dur, mais je pense qu'on a tous pris conscience dans le groupe que voilà, si on se met à travailler tous ensemble et tout, que ça sera possible. Merci Mehdi. Merci, coach. Monsieur.